c'est parti pour le tirage à 10. Allez, Koleo Amasaga, Gentleman Whisper apparaît. Oh my god, que des boules dorées, c'est tout à fait normal. Hey, salut tout le monde, c'est Spectrole, comment ça va? On se retrouve eh bien pour une nouvelle vidéo sur Yo-Kai Watch Puni Puni. Je sais, ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas fait une vidéo sur Yo-Kai Watch Puni Puni. Et pour cause, regardez-moi ce layout de qualité qui date de pas mal de temps. Et oui, je tourne le 15 septembre 2019 et j'ai entendu qu'on peut faire des tirages Naibocoin. Donc vous faites ce que vous voulez, si vous voulez acheter des Naibocoin ou pas. Ou vous pouvez farmer une Naibocoin par event tout simplement. Et en fait, j'ai cumulé pas mal de Naibocoin, enfin pas mal, une dizaine du coup. Et grâce à ça, on peut faire un tirage vraiment historique. Là je ne pèse pas mes mots, là franchement c'est pas mal. Et bah en fait l'event là que vous voyez actuellement qui ne sera plus disponible à l'heure que vous regardez cette vidéo, je sais pas quand je la posterai hein, parce que j'ai tourné une vidéo de Cannes, mais pareil je sais pas quand je vais la sortir. Le truc c'est que l'event est claqué au sol, c'est un des pires events depuis qu'il est sorti à ce jour, en tout cas, sur Yo-Kai Watch Puni Puni, où dans la mesure où on gagne très peu de cartes Y. C'est claqué au sol, les taux augmentés, encore un yokai vaillant rang Z, c'est juste hallucinant comme quoi ils n'arrivent pas vraiment à se renouveler en ce moment sur Yo-Kai Watch Puni Puni. Et c'est pour ça que je ne propose pas vraiment de contenu sur Yo-Kai Watch Puni Puni ces derniers temps. Et arrêtez de me spammer dans les commentaires d'une vidéo Nanatsu ou une vidéo de Dokkan Battle pour dire c'est quand la vidéo Puni Puni, c'est quand l'article, c'est quand le blog nanana. Quand j'ai pas envie, je fais pas. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de le faire. Alors, il y aura un nouvel event à l'heure que je parle. Normalement, ça sera toujours dans la thématique du nouvel event. Ça sera un Wajiki, etc. Merci à ceux qui m'aideront, en tout cas, déjà d'avance. Et s'il y a une campagne line, bah, merci en tout cas de m'aider. Et je vous aiderai en retour pour le Wajiki, pour ceux qui m'ont dans mes amis, quoi, tu vois. Et je compte sur vous, les amis, pour laisser un maximum de pouces bleus pour le retour de Yo-Kai Watch Puni Puni. Ça fait un bon moment, donc n'hésitez pas à prouver, en tout cas, que vous êtes chaud pour Yo-Kai Watch Puni Puni sur cette chaîne. Que ce soit en live ou en vidéo, voilà, laissez un maximum de pouces bleus, autant d'amour, et ensuite, donnez-moi toute votre luck, hein. Parce que là, les amis, je vais pas faire un tirage 500, etc. D'ailleurs, je vous mettrai... Bah, je vous mets pas de screen, voilà. Vous voyez ce que j'ai eu, un espèce de gozer rouge, sauf que c'est dans une collaboration Ni No Kuni, et je l'ai chopé en un 500. Tout simplement, c'est juste hallucinant. Je l'ai eu sur mon téléphone, parce que maintenant, je peux jouer sur mon téléphone sur iOS, donc c'est quand même assez cool. Le truc, c'est que là, en ce moment, on a un tirage hallucinant pour Naibocoin. Et du coup, il y a 3 rangs Z, 3 rangs Z dans cette Naibocoin. Donc, soit une Naibocoin totalement gratuite, donc faites un tirage à 1. Il y en a dans le Discord où je suis actuellement, en Holo Family, dans la description, tac, 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 tu vois. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à checker la description, c'est important, les amis, pour tout savoir, justement, sur tout ce que je dis. Nous avons, je sais pas le nom, par contre, de ce yokai, encore un vaillant de rang Z, hein, voilà, je dis ça, je dis rien, hein. Ensuite, on a l'espèce de, je sais plus comment vous l'appelez, Nian Murai, stylé, Kirakoma, voilà, voilà, 1089 d'attaque, 845 de défense, mystérieux, sympathique. Lui, c'est le dernier Z qui est apparu, en tout cas, sur Yo-Kai Watch Puni Puni, alors que je vous en parle. Et ensuite, on a Susanoo. Susanoo, meilleur attaquant costaud du jeu, très très puissant. Il est oufissime, ce singe. 1071 en attaque et 863 PV. Donc là, on va faire un tirage spécial Naibocoin, j'en ai 10, et c'est la première fois, je crois, que je fais un tirage de 10 sur cette chaîne, du moins gratuite. Voilà, ce que j'ai déjà fait auparavant, des tirages Naibocoin payantes à l'époque, j'ai mis beaucoup d'argent en jeu, vous le savez, hein, bon, je suis pas très fier. Et donc on a justement... attends, quoi? Oui, oui, c'est 3 Z, c'est bien ce que je me disais. Et alors pour ce qui est des pièces, moi je sais pas ce qu'il y a, à part les 3 rangs Z, donc on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qui est intéressant en tout cas au niveau de ma box? Parce que il faut que je vous fasse la vidéo un jour, je vous l'ai dit, hein, un jour je vais faire la vidéo, justement je vous montre ma collection de yokai, et je vous dirai combien j'ai mis dans le jeu, et faites attention au jeu gacha, quand vous mettez de l'argent dans le jeu tout simplement, parce que Naibocoin, je crois un tirage de 10 c'est 50 balles, 50 euros, voilà. Alors, très intéressant, en plus ils ont un taux augmenté à 0,400, c'est vraiment très très bon, moi j'aimerais bien avoir Susanoo, ou ce yokai, mais...
Vraiment, le truc que je veux absolument serait Susanoo, hein. Mais bon, c'est pareil, hein, sur Dokkan Battle, j'ai sorti une vidéo, bouton en haut à droite si elle est sortie ou pas. Voilà, je voulais un des deux LR, est-ce que j'ai eu les deux, tu verras. Ensuite, comment il s'appelle ce yokai? Je sais plus. Gorgouille de Cristal, j'ai fait 950 000 contributions, c'était une satisfaction personnelle, où j'avais fait une Crumble Battle à l'époque, etc. Ensuite, ça c'était dans un event, on pouvait l'avoir gratuitement, etc. Ou alors on pouvait mettre de l'argent pour aller un petit peu plus vite, avec des fours et tout, c'était sympathique, ça changeait un petit peu de l'ordinaire. Nico Nisse qui était dans un Butokai SSS, Goku Noko très craqué pour farmer les cartes Y bien entendu. Fudomio, c'est mieux le Fudomio Evil hein, en Extreme Popper. Tayushinema, Eclatax au sol. Jikon Kunshin et Wankon Kunshin Enma. C'est pas terrible, c'est pas des persos que je veux en tout cas. Voilà, après je vais pas tout vous expliquer les yokai SS parce que maintenant il y a trop de yokai SS dans le jeu. Pareil, les SS on commence à en avoir un peu trop et c'est pour ça qu'il y a eu les Z maintenant entre temps. Nul à chier, sympathique, je sais plus ce qu'il fait, ça ça rallonge la fever, ça c'est un booster d'attaque, ça je sais plus trop ce que c'était, c'est dans un event. Kirakoma très très bon, la lapine je sais plus, Strabuki nul à chier, meilleur booster d'attaque. Classique, Gargaros éveillé très bon pour son skill et Gargaros éveillé, je crois que c'est booster d'attaque et de défense, un truc comme ça. Crapaud, je sais plus, Speed Jimmy, c'est pas terrible, pas terrible. Je sais pas ce qu'il fait, c'est pas la collaboration. Je voulais dire Pikmin, non. Hello Kitty, je sais plus. Intéressant, très intéressant. Nekonisse, c'était mon premier booster d'attaque du jeu SS. C'était mon premier yokai SS. Lui, il était dans un portail mystère et tout. Demi-sur éveillé, sympathique à l'époque de Wiggle Ball. Booster d'attaque. La roue, un peu comme Arcanos SSS dans la Dark Watch. Je sais plus ce qu'il fait. Booster d'attaque au Sinnoh, très très bon. Booster d'attaque ou de défense, Uncle Manken très très cool. Ça c'est un booster d'attaque vu que c'est le SS ou le... Ouais je crois que c'est lui, c'est le SS donc il est pas mal. Jimanatan très très bon, booster de défense quand il y avait Goku Orochi. La grenouille pas terrible, je sais plus ce qu'il fait. Si c'est Edma Blade très très bon, je sais plus ce qu'il fait. Et ça c'était peut-être pour le Yamienma, hein, pour le transformant SSS. Et ensuite on a des vieux yokai de rang S qui ne sont pas vraiment terribles en vrai en soi. Donc voilà, mais je pense que juste avant de commencer le tirage Nebocon, on va se faire un petit trip, on va se faire un petit 500. Voilà. Un petit 500, ça devient difficile aussi de farmer les cartes Y, et c'est pour ça qu'aussi que je peux pas vraiment faire de vidéos ou de live, parce que la plupart du temps j'arrivais à faire des vidéos en invocation, etc. Mais maintenant ça devient vraiment très compliqué ce jeu par rapport à invoquer en fait le Bingo Kai, soit un 4500, donc c'est... C'est vraiment pas terrible en soi, tu vois. Bon, allez, trêve de mandalité. On est parti pour le tirage 500. Je sais pas ce qu'on peut avoir. Je sais même pas ce qu'il y a, en fait. Je sais même pas ce qu'il y a. Il y a le Z, je crois, en ce moment, Vaillant, qui peut être assez cool aussi. Mais après, voilà, on a un yokai de rang S. Voilà, on l'a eu en 500. Voilà, c'est pas terrible, c'est sûr. Mais ça fait une boule or. Donc, ça fait plaisir quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, vite fait? Bon, vous l'aurez plus, mais je vais quand même regarder en tout cas le portail. Mais c'était hallucinant de faire un 500 aussi, ils ont donné 1000 cartes Y entre temps, tu vois, et du coup j'ai eu celui-là, le SSS en augmenté. On a eu un nouveau SSS, je sais pas ce qu'il fait, insaisissable par contre, c'est cool, et le Vaillant, encore un Vaillant MDR, et puis ça c'était pour avoir des petits bonus et tout ça, de l'Event collaboration Ni No Kuni V2, du coup. Je voulais faire un 4100, je te jure, à un moment je voulais faire ça et cliquer sur OK. Non, non, on va pas refaire ça, on va attendre surtout un nouvel Event, et là on va faire le tirage des 10 Nibocoin. Laissez un maximum de pouces bleus pour le retour de Kabosh Pumpi sur cette chaîne. Si vous aimez bien, voilà, n'hésitez pas. Même si vous n'aimez pas justement Kabosh Pumpi, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, comme ça, ça encourage un petit peu, tu vois, cette chaîne. Et voilà, on va essayer de... On va essayer d'avoir un Z, hein, pourquoi pas, hein. Susanoo, ça serait le meilleur yokai qu'on pourrait avoir. Après... Les SSS, les Z, c'est pas vraiment évident. Après, les SS et les S, on s'en fout un petit peu. Et il n'y a pas de passe, ça c'est intéressant.
Allez, c'est parti pour le tirage. Un maximum de pouces bleus, commentaire maximum pour me dire qu'est-ce que vous avez eu, si vous avez fait un tirage à 10 ou si vous avez fait une Ibocon classique à x1. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous avez eu et qu'est-ce que vous en pensez honnêtement de ce jeu en ce moment du Cap Je Puni qui en ce moment tourne en rond pour ma part. Voilà, c'est que mon avis. C'est parti pour le tirage à 10. Allez, Kolewa Masaga, Gentleman Whisper apparaît, oh my god, que des boules dorées, c'est tout à fait normal, bien entendu. Est-ce que ça tombe? Parce que si ça tombe pas, je suis baisé, tu vois. Non, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Un petit chocho en S qui était cool à l'époque de Wiggle Ball, il tapait en AOE, le ninja, je sais pas ce qu'il fait en vrai. Ensuite, on a l'espèce de croquin, je sais plus comment il s'appelle. Petit SSS que j'avais déjà, du coup, mais si j'aurais pas participé à l'event, bah, j'aurais pu l'avoir, du coup, sympathique. Encore un petit S, pas terrible. Ça c'était dans un Butokai du coup. Kirin ou Kirikorn, je sais plus. Bah voilà, niveau 7. D'ailleurs, le truc qui m'a un petit peu saoulé aussi dans Yo-Kai Watch Puni Puni, c'est le fait en fait qu'on ne peut plus vraiment farmer les secrets de l'âme comme avant. En fait, maintenant ils ont mis un système à la con, mini secret de l'âme 0-4 et 0-2, et c'est vraiment pas terrible, tu vois. Le petit Geeko et le dernier, c'est. Eh bien, c'est de la merde. Voilà. Non, en vrai, ce tirage il est pas forcément dégueulasse en soi, étant donné qu'on a eu un mec en passe. Je sais plus vraiment ce qu'il fait celui-là. Je sais plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi, surtout, en fait, on a eu un SSS en vrai dans, en Dinaibo. Donc, c'est sympathique. Des fois, on peut avoir mieux, tout dépend de votre chance de chacun. Mais en vrai, le tirage n'était pas forcément dégueu. Alors, aussi, un truc. Alors que je vous parle, normalement vous avez, vous savez, la Naibocon gratuite par event, etc. Donc vous allez ici, nanana, tu vois. Et donc, je sais pas si je vais essayer de la récupérer en vrai. Je sais pas, parce que maintenant dans les différents events, je récupère plus la Naibocon. Ça prend un temps monstre et voilà, tu vois. J'ai moins envie en tout cas. Et je voulais vous montrer un truc, c'était dans les missions. C'était dans les missions qui étaient juste ici du coup. Alors. Il y a une Naibocon en fait qu'on peut récupérer, je crois. Donc c'est jusqu'au 18, donc faudra pas qu'elle tarde trop du coup à sortir. Mais je crois que c'est ça, voilà, faut faire en gros pas mal de petits trucs, 60 âmes ultimes, nanana, etc. Ensuite tu récupères la Naibocon qui est disponible. Et on va regarder tiens le prix, juste pour voir un petit peu des Naibocon, pour voir ça coûte combien. Mais je crois que ça coûte vraiment pas mal. Donc t'en achètes 11 parce qu'ils t'en offrent une gratuite, et donc ça coûte combien? On va pas en acheter. Hein. Ça coûte 55$. 55$. Tu t'en rends compte? Et il y a beaucoup qui l'ont acheté hein, à l'époque. Hein. Et ça, c'est dizaines d'euros, c'est ça? Ça, c'est 5$. En vrai, ça va, c'est pas trop cher, mais t'es. Soit un S, soit un SS, soit un SSS, soit un Z, tu vois. Ben, ça dépend de ta chance, mais. Moi, je vous conseille absolument pas maintenant de mettre de l'argent dans le jeu, surtout dans les Naibocon, parce que maintenant on peut avoir bien mieux en les faisant des tirages des fois 4500 et tout ça. Et des fois, tu peux avoir genre peut-être que des rangs S dans tes Naibocon, donc ça ferait chier de payer 55€ pour de la merde en vrai, tu vois. Et puis, ouais, même les prix des cartes Y sont quand même assez hallucinants, comme tous les autres jeux gacha, notamment. Bleach, Brave Soul, et puis d'autres jeux gacha. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bah voilà, on a fait le tirage 4 Naibocon Premium. Enfin, gratuite plutôt, parce qu'on les avait farmés avec les events. Mais en soi, le tirage n'était pas complètement nul, étant donné qu'on a eu un SSS, mais qu'on avait déjà. Mais si vous l'avez pas eu, en vrai, si par exemple ce tirage était là, vous l'aurez bien kiffé, je pense. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like en partant, n'hésitez pas à commenter de tout ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, moitié de vidéo et fin de vidéo, comme ça on sait tout, et allez dans la description justement pour savoir, eh bien, tous les liens à savoir, parce que je fais des lives sur Twitch, etc. Mais là, ça va être très compliqué cette semaine pour proposer des vidéos et des lives, étant donné que je vais taffer full semaine dans un corps, dans un nouveau restaurant. Voilà. Et mercredi, suivez-moi sur mon Instagram, je mettrai des petites photos du nouvel événement, je suis invité par le Pokémon Company et la Sylph, donc voilà, je tease un petit peu. Merci à tous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, prochain live, salut tout le monde, et le petit mot de la fin, Yo-Kai Watch Puni Puni, c'est plus comme avant, salut tout le monde.